Hello tout le monde, c'est Talo, j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis, on se retrouve pour l'épisode 38 de Let's Play sur Assassin's Creed 4 Black Flag. Les amis, très content de vous retrouver pour la suite d'un Let's Play de piraterie où aujourd'hui ça ne va pas être un fucking épisode annexe, mais ça va être bien et bien la suite de l'histoire principale. Les amis, vous voyez que je suis dans une tenue, ma foi, rouge, comment, pas rouge bordeaux, rouge tout simplement, du plus beau rouge, donc c'est la tenue officier d'Edward Kenway, donc vraiment... Je trouve que c'était une très très chouette tenue. Voilà, ça dégage. Je trouvais que c'était vraiment une très très cool tenue après toutes les avoir essayé parce que c'était assez neutre et franchement c'était sympa. Enfin bref les amis, je vous le demande en ce début de vidéo, avant qu'on commence l'histoire et avant qu'on continue surtout notre avancée vers le gouverneur Torrens. Donc séquence 12, les adieux du gouverneur bien évidemment, à lâcher un petit pouce bleu qui fait plaisir, à partager la vidéo et à la commenter. Vous êtes de plus en plus à le faire et ça me fait extrêmement plaisir pour le coup, parce que ça veut dire que vous êtes motivé à voir la suite et fin de ce let's play. Vous êtes motivé à me voir continuer à faire les vidéos et ça me fait que chaud au cœur en fait. Du coup les amis, c'est parti, séquence 12, les adieux du gouverneur. On se lance dans la mission STP. Capitaine Kenway, t'as quelque chose pour moi? Nous savons où se trouve le Templier Woods Rogers. Il assiste à une petite réunion politique, alors sois discret. On dit que le roi George a décidé de le rappeler à Londres. Oui, il est mécontent de ses progrès à Nassau. Il y rôde encore beaucoup de pirates, d'après ce qu'on raconte. Tu vas devoir te déguiser pour te fondre dans cette réception guindée. Je te suggère de cibler le diplomate Ruggero Ferraro. On le surveille depuis longtemps. Entendu. Peux-tu envoyer ça en Angleterre pour moi? Oui. Un navire part demain. Caroline Scott Kenway, Hawkins Lane, à Bristol. Ah, il envoie des nouvelles peut-être à sa femme, me semble-t-il. Je sais pas, ou bien sa sœur, mais ça m'étonnerait que ce soit sa sœur. Je pense que c'est plus sa femme. Qui se trouve en Angleterre quand même, il vient de loin, hein. Alors, va falloir prendre la place d'un diplomate italien. Évidemment, pourquoi on en veut toujours des Italiens? Allez savoir. Allez, il est temps de localiser. Je pense qu'il est vers là-bas. Allez, hop. Il y a des gardes là-bas. Du coup, je pense qu'il y a fortement moyen qu'il soit là-bas. Voilà, il est là. Ok. Alors. Tue le diplomate depuis un tas de foin. Très bien. Allez, on essaie de le faire pour un petit 100%. Oh, un tas de foin. Est-ce qu'il y a un tas de foin? Où est-ce qu'il y a un tas de foin? Parce que là, c'est un tas de plantes. Il n'y a pas de tas de foin. Ah, pour le moment, faut juste le suivre. Ok, ça me va. C'est dans mes cordes. Yep, là. Alors. Ah, ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait des missions comme ça. On n'avait pas fait de mission où il fallait suivre les gens. C'est un bâtard. C'est un fucking bâtard, bordel. Oh, quel enfoiré. Mais go le tuer, hein, vraiment. Parce qu'en fait, faut prendre ses vêtements et se fondre dans la masse. Bon. Tant qu'à faire. Là, on est bien, là. Là, on est la discrétion incarnée. Crétins. Vous n'êtes que des crétins. Dire que ces Anglais se croient capables de mettre le monde entier à leurs pieds. Le mec il est vachement vénère dans les toujours, hein. Putain. En plus c'est censé être diplomate. Je pense qu'il a pas bien saisi en fait son job. Du coup, c'est pas quelque chose qui le... Que sur... Ah j'ai plus de balles. Ah non j'ai tout déposé. Ok alors, botte de foin là-bas. Ah bah lui, avec KitKat. Hop là. Yep. Eh bien, regardez. Non. Non, dommage. Hop, voilà, mais j'ai tué, bah les couilles. Ah non, j'ai été dans la botte de foin, déconnez pas. Juste parce qu'on a été repéré au dernier moment, quoi. Je suis clairement deg, on va se le dire, on va pas se le cacher. Ah, en plus faut le suivre, bon bah je reviens. Ok les amis, donc on se retrouve là. Hop. Tac, donc j'ai un peu tué tous les gardes qu'il y avait autour de lui. Bon, au final, il s'est cassé. Mon doigt de feu, j'ai pas pu le tuer dans cette botte de foin-ci.
on va continuer à avancer en même temps que lui, au coup. Putain, il est vénère, hein. Il est très très énervé, le petit Gus. On va passer par les hauteurs, comme d'habitude. Est-ce qu'il y a une botte de foin, là? Oh, nickel. Niquez-vous! Tout va bien. Hop! Ça dégage. Écoutez, alors moi, il n'y a pas de botte de foin. Balek. Pas de botte de foin, pas de problème, mes amis. C'est ce qu'on me dit souvent. Alors, donc là, on va passer. Pardonnez mon arrivée tardive. Je suis Ruggiero Ferraro. Oui, monsieur Ferraro, soyez le bienvenu. Mon Dieu, comment on s'est passé pour quelqu'un d'autre? Un toast à mon bref mandat de gouverneur des Bahamas. Oh là là. Ah oui, non, mais lui, il nous connaît. On choisit le pardon du roi. D'accord, ok, donc faut que je le tue. Sans me faire opérer. Oh, c'était très très chaud là. Hop là. Bon mec, va falloir arrêter de tourner en même temps que moi, c'est vraiment sympa. Génial réception. Tu es Woodgers. Ok. Ça me va. Ça va, ça me va. On peut faire ça. Au calmito. Hop. Boum, ça dégage. Oh. Ah non. Dommage. Ça aurait été si beau fait comme ça, t'es en mode devant tout le monde en mode bas les couilles, mec. Non, non, mais on va le faire bien. Alors, dissimulez-vous entre deux citoyens. Intéressant. Tu rejoins depuis un banc. Merci d'avoir organisé ma. Vous êtes exprimé fort librement, mais pas assez pour finir pendu. Alors écoutez cela. Bientôt toutes les monarchies. Donc, entre deux citoyens. Et quand ce jour viendra, les hommes tels que Torres et moi. Il est vraiment très 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 à l'affût, hein. En même temps. Seigneur Rogers, quelle audace. Tu sais, t'as quelqu'un qui saute sur la table sans aucun souci apparent. J'aimerais qu'il arrête d'essayer de me choper en vrai. Ah, moi ce que. Attendez. Comme ça, ce serait pas mal. Allez, oui, viens. Je suis pas là. Allez, mon grand. Ah, nickel. Hop là. Dans tes dents. Ah non, dommage. On aurait... Non, en vrai, non. S'il y avait eu que les deux là sur le côté, ce serait passé, mais d'une beauté sans pareil. Ah, ça va le faire. Au final, on peut l'avoir d'un buisson aussi. Nickel. Très intéressant. Allez, hop, on passe devant lui, on a aucune... On a aucune race de faire ça. Ah, faites voir, je peux mettre entre deux citoyens là-bas. Bon ça, vous allez bien? Si, signore. Mais, pour les hommes de goût tels que nous, la forme doit toujours primer. J'adore la voix qu'il prend. Je n'en ai aucune idée et je ne compte pas m'en soucier. Oh le bâtard! Nous nous sommes séparés et nos vies n'en sont que meilleures. Pardonnez ma curiosité, gouverneur. Quel enfoiré! Que serais-je plus avenant lorsque le peu de raison qui me reste m'aura abandonné? Très bien. Le mec, il n'y a pas le temps de niaiser en fait. Alors. Là, il n'y a pas de garde. Ah, mais il y avait des gens! Tu as toi-même été corsaire. Comment peux-tu avoir si peu de respect pour ceux qui ne cessent de lutter afin de se faire une place dans ce monde? Tu ne pourras jamais comprendre ce qui me motive, crétin! Tu as passé toute ta misérable vie à démolir les fondements les plus précieux de notre civilisation! C'est tout le contraire. J'ai vu l'Observatoire. Et je connais son pouvoir. Je sais que tu t'en servirais pour espionner, pervertir et saboter. Oui.
mais pour servir la cause la plus noble. Assurer la justice et faire éclater la vérité coûte que coûte. Aucun homme sur Terre ne mérite un tel pouvoir. Mais tu laisses sort la loi de Roberts l'utiliser. Non. Je vais lui reprendre. Et si tu me dis où je peux le trouver, je l'arrêterai, crois-moi. Ici, au bout d'une lame, je trouve enfin en toi un ami. A principe, vermine de pirates. Nos meilleures sources l'ont trouvé à principe. Incompréhensible quand même cette affaire. On le tue et le mec nous donne exactement tout ce qu'on veut. C'est en mode no time to kill, mon petit pote. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. On est d'accord sur ce point-là. Hop, ça dégage. Si, pas le temps de niaiser. Bien, mais au moins on sait où trouver Robert, c'est où reprendre le crâne de cristal et tout le bordel. C'est-à-dire à Principe, les amis. Du coup, ce fut une petite infiltration. On n'a pas réussi à faire les défis secondaires, mais bah les couilles. Ce fut une petite infiltration à pas piquer d'un ton, on va pas se cacher. C'était vraiment cool, c'était sympa, surtout qu'en fait là on avait vraiment changé entièrement de tenue et tout. Ah bah non, on ne respecte rien du tout. Et oh non, arrête d'essayer de grimper aux arbres, ça m'avait pas manqué ça, bordel cul. Hop, on va aller voir le bureau des assassins. Et c'est bon, donc on a tué encore une fois un de nos potes. Bon, c'est comme ça, c'est ainsi, c'est triste. Terminé. Et maintenant ? Va préparer tes affaires, on met le cap vers l'Afrique. Allons-y, let's go, c'est parti les amis. Allons en Afrique ! Tranquille Bilou. Là, je vais regarder s'il n'y a pas la mission des Templiers à faire, parce que je suis quand même assez curieux pour pouvoir la faire. Oui, c'est bon, on peut la faire, parfait. On va faire la mission, ensuite on va partir à Principe. On va essayer de se faire la séquence 12 aujourd'hui. Un prochain épisode, on se fera la séquence 13 qui sera la dernière, les petits potes. Mon dieu, on l'aura fini, hein, ce let's play. Il nous aura pris quasiment un an, mais on l'aura fini. Il n'y a même pas 40 épisodes, vous vous rendez compte? Alors, faites voir. C'est juste là, c'est parfait. Ouais, ça devait être lui en fait. C'est l'assassin qui nous donnait l'objectif principal, devait être le même que celui-ci, et c'est le cas. J'ai un plan, mais notre tâche sera ardue. Abraham a des relations et beaucoup d'argent. Nous avons repéré un homme de son entourage. Nous le suivrons jusqu'à ce qu'il dévoile notre cible. Laisse-moi lui régler son compte. Le voilà qui arrive. Bien, donc ce petit homme pourrait nous amener là... Enfin... Là où se trouve notre cible au final, donc le dernier Templier ayant les clés. Ouh là là, il y a plein de capitaines. Il y a plein de capitano. Il est où? Il est où? Il a pas le temps. Hop, attendez. Comme ça on les visualise bien. Hop, on va pas rester avec l'autre assassin. On va rester aussi sur les toits, mais de l'autre côté. Histoire de... Attends, on a ça pour le tranquilliser, lui là-bas. Hop, dans la jambe, ça dégage. En plus, j'ai augmenté leur effet, du coup, il va rester endormi pendant très longtemps. Mais parfait. Il a tué. Hop. Oh, les marrons, c'est nous. Les marrons, c'est nous, les amis. Bon, ils veulent nous tuer. Donc, on va suivre notre petit pote là. C'est génial. Nous sommes des assassins, les amis. Des véritables assassins. Hop, c'est gâche. Voilà, on a toujours la vue sur eux, c'est parfait. Et on s'infile tranquille. Hein. Ah. Ok. Et en plus, c'est devenu un mec, on s'en bat les reins. Très bien, ça me va. En vrai, j'ai essayé d'utiliser un peu la Daka Cord, c'est très très drôle à utiliser. Au final, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool.
Mais c'est pas ce qui m'intéresse maintenant. Hop là. Ok, donc là, il y a... Ok, donc la zone interdite, je pense que la zone où il y a le monsieur qu'on doit tuer se trouve là-bas. C'est censé être la dernière mission, ça, de cette catégorie d'assassins. Ah oui, il est là. Parfait, ok. Nickel. Ok, ok, ça me va. Alors c'est parti. Maintenant qu'on sait où il est, on va essayer de le localiser. Alors par là. Il y a plusieurs zones, j'ai l'impression, non? Oui, il y a trois zones. D'accord, très bien. Ok. Faut faire gaffe à l'alarme. D'accord. Hop, ça dégage. Clairement, no time to care. Cette fois, nous finirons par prendre ces terres. Ce n'était pas notre homme. Eh, viens là. Viens là qu'on rigole. Viens là qu'on rigole, mon petit. Et... Hop, oh, loup. Hop là. Et ça dégage. Ok, bien. Hop. Toi, t'as pas le temps de mourir. Toi. Hop. On sabote la cloche comme ça, il n'y a pas 10 soucis. Il est là-bas. What the fuck? Hein? Mais c'est qui le méchant du coup qu'il faut tuer? C'est eux? C'est lui? C'est pas lui. C'est plus haut, non? Attendez. Ouais, comme ça tu perds la boule. Tu tues ton pote et nous, on se casse. Ah voilà, bingo, il est là. Anto, depuis combien d'années nous battons-nous? Tes hommes dans les montagnes sans armes dignes de ce nom, face à ma splendide armée. Et pourtant, tu vis, et moi je meurs. C'est la volonté de vaincre qui te manque. Ah. Ce combat était vraiment nul, on va pas se le cacher, enfin, clairement, c'est... mais au moins on a notre 6ème, 5ème clé des Templiers, du coup moi ça me va, c'est parfait. On a réussi à obtenir toutes les clés, donc c'est à dire qu'on a une nouvelle tenue, en plus on a fait toutes les missions des assassins, donc ça aussi c'est complété à 100%, on a bien, voilà, 5 sur 5, parfait. Bon, maintenant je vais voir un peu le suivi de progression, à quel point on en est. Donc 100%, 100%, 100%, 76%, on est à 88% au total, c'est bien, c'est même très très bien les amis, c'est parfait. Évidemment là, ça sera pas fait, hein, pour le coup, je vais pas vous le cacher. Séquence 12, on a fait que 20%, donc les adieux du gouverneur. Très bien, donc ce qu'on va faire maintenant tout de suite dans l'immédiat, c'est partir tout simplement à Principe, les gars. On va essayer d'aller botter du cul. Tout simplement du cul. Alors, on peut pas se téléporter là-bas, par contre là, on va pouvoir. Évidemment, parce que va falloir se retrouver avec le bateau. Va falloir se retrouver avec le bateau. On pouvait s'en douter, on pouvait se conforter avec cette idée qu'on allait devoir y aller directement en bateau parce qu'on peut pas se TP sachant qu'il est sur l'île et en mode super motherfucker. Donc c'est parti. Allons à Principe les amis. Alors j'ai changé quelques trucs, notamment j'ai changé la barre du bateau, les voiles je les ai gardées. Par contre le devant je l'ai changé. Je sais pas si on le voit. Oui on le voit. On voit la proue un peu. J'ai mis. Quel con. J'ai pris la proue de la... J'ai mis la proue de l'Aquila. C'est l'Aquila ou pas? Je sais pas du tout si c'est l'Aquila, mais En tout cas, c'est la proue avec la dame et les deux... et deux lances à main. Hop, c'est gâche. Non, pas avec moi, s'il vous plaît. Maintenant... On est devenu un peu des bestes. Voilà. Voilà. On est devenu un peu des vrais pirates, maintenant. Hein. Clairement, qu'on se dise... Attendez, on va essayer d'aller plus vite.
Parce que maintenant on a acquis la charge, les amis, dans le dernier épisode. Si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas à le voir pour le coup, parce que c'était magnifique. On combattait les 4 navires légendaires, les navires les plus forts du jeu, les amis. Et c'était vraiment une des combats incroyables. Pour le coup, j'ai jamais autant déjà galéré que ça de ma vie sur un jeu vidéo. Et puis de deux, j'avais jamais... Enfin, c'était vraiment classe. C'était vraiment des combats très très stylés en bateau, où il fallait toujours trouver des stratégies abracadabrantesques. Allez, gauche. Hop. Nickel. Allez, les amis, on se rapproche maintenant de Principe. On se rapproche déjà de l'Afrique, c'est parfait. On va voir la mission, un peu le lieu de la mission, le lieu où tout va basculer, parce qu'on va voir Roberts pour la deuxième fois. Troisième fois de ce let's play, mais cette fois-ci, on va essayer de prendre notre revanche, parce que je vous rappelle que la dernière fois, quand même, il nous avait fait passer pour mort, et surtout, nous avait envoyé en tôle, où on avait perdu notre cher ami Mary Read. C'était vraiment très triste, hein, comme histoire. Mais là, on revient plus fort que jamais. La fin de l'âge d'or. Capitaine, celui-là remue encore. Qui a fait ça? C'était un grand navire. Le Royal Fortune. Robert. Il n'a pas fait de quartier. Ce diable sait que tuer. Bon les gars. On sait maintenant que Robert c'est là. Il n'y a plus de doute possible à avoir. On sait que Robert est bel et bien à Principe. Voici donc le Royal Fortune qui les a attaqués. Il est beau ce navire, à ma foi. Avec plein de pièces de bordée. Et un étant de localiser Bartholomew. Roberts. Bartholomew. Donc c'est parti. On fait un petit crawl pour y aller. Ouais, c'est pris par les pirates, super. Je vous rappelle d'abord que Principe était une plantation de coton. Donc là, il y a les pirates de Robert, c'est super, bonne ambiance. Ouais, on va utiliser les fléchettes. Las fléchetas sont pour efficace. Hop, il y a un cochonnesse. De quoi tu parles? Hop, ça dégage. Ensuite. Hop, ça dégage. On va monter comme ça, hein. Ah merde. Non, ça va. Oh là là, mon pote. T'as perdu ton pote. C'est triste. Là-bas, on tue, parfait. Hop, ça dégage. Personne ne nous verra. Maintenant, tu vois, je suis en colère et en plus, je vais rester discret pour le coup. Parce que y a tellement moyen de faire un beau truc. Allez, toi. Tu vas venir tuer tes potes, s'il te plaît, juste pour moi. Voilà, allez, tue-les. Aïe. Ouh, tu prends cher. Oula. Toi, calme-toi. Voilà, c'est gage. Parce qu'en vrai, il leur met une patate, ils sont morts. Donc bon. Vas-y, mets des patates. Mes patates. Hop, toi. Tu vas venir tuer tes potes. Et toi, tu vas dormir. Voilà, parfait. Hop là. Ah, nickel. Putain, il est vraiment sympa de m'aider. Hein. Merde, j'ai pas mes CP, bordel. Quel con. Mais c'est aussi pourquoi je galérais. Oui. Oulala, oulala, oulala. Toi bien dans le meilleur des mondes. Ok, donc il y a Robert qui se trouve juste ici. Vas-y, tue tes potes. Oh. Dommage. Parfait, merci. Oh putain, le mec adorable. Hop, ça dégage. Eh mais, t'es censé t'être pris une patate mon gars. Hop, ça dégage. Ah oui les amis, évidemment, oui, j'ai pris les épées pistolets, du coup maintenant il y a des petits moves sympas à faire. Enfin, il fait des petits moves sympas quoi. En fait, je suis caché.
Mais là tu me vois. Merde, ça c'était pas prévu ça. Arrêtez d'essayer de me foutre des patates mon gars. Y'en a qui arrivent à te foutre des patates de l'espace, c'était pas bien à chaque fois. Ah bah ça dégage. Donc maintenant il est où ce Roberts? Ok, donc il se déplace un peu. Évidemment. Comme vous pouvez s'en douter hein. Donc il est pas là. Ah il est où? Tu vas voir qu'on va pas le trouver dans le secteur. Et qu'il va nous prendre par surprise. Hop, ça dégage. Mouah, on est méchant. Putain, tout l'équipage, il prend tellement cher, là. Là, il est là. Ok, il nous a vu. Aïe. Prenez la barre du jackdaw. Ah, zut, 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 zut. Hop là, ça dégage. Hop, allez. Ah, parce qu'il a pris son navire pour s'échapper. On pouvait se douter d'une petite bataille en bateau. Ok, ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. Tranquille, 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 tranquille. J'ai pas peur, j'ai pas peur, j'ai pas peur. Wouhou ! Ça va. Allez, il me reste 15 secondes, ça devrait le faire. Allez, hop, parfait, ça le fait tranquille. Vraiment easy, hein. Allez, on y va. Hop là. Non, il est temps d'aller le tuer, clairement, parce que... Casser les couilles de fou. Qu'est-ce qu'il faut faire? Aborder le Royal Fortune. Ok, ça me va. Quel bâtard. Ok. Tranquille, tranquille. Putain, il est arrivé à détruire le décor autour. C'est trop stylé. C'est beaucoup trop stylé cette course-poursuite. Ça va le faire, ça va le faire. Easy peasy lemon squeezy, comme je vous dis. Quel tir de mortier? Et tir de mortier? Tu veux dire, c'est tir de mortier? Oh mon petit pote, tu sais pas quelle attaque j'ai acquise. Mais non, ça va aller. Regardez bien, regardez bien. Et maintenant, on charge. Bam. Voilà, c'est ça qui fait plaisir là. Regardez-moi ça là. T'es rien, Robert, c'était rien. Oula. Bah les couilles des barils. Oh, allez, charge, c'est parti. Hop là, on va beaucoup plus vite. Et c'est voilà, c'est ça qu'on aime là. Là il fait moins le malin là. Bah alors Robert s'enfuit. Allez hop. On va se mettre sur le côté. Bon attendez, on va le finir comme ça. Voilà, maintenant il reste plus qu'à l'aborder les amis et à tuer ce putain de Robert à la con là. Quoi? Ah non. Le jeu veut pas qu'on le tue maintenant. Très bien. Il y a quelque chose d'autre à faire. C'est ridicule. C'est bon, ils veulent nous amener dans un endroit bien précis. Voilà. Allez voir, par exemple, une petite frégate sur le côté là. Ok. Ça va le faire. Ok, donc on a ça à tuer, j'imagine. On a ça à tuer, bien évidemment. Ok. Ça dégage. Ouh là là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il y a trop de choses là. Hop là. Bon, oh, c'est bon, ça va. Ok, parfait. Je dois récupérer l'appareil à son bord. Nickel, allez, sorti, c'est bien. Ouh, tu Robert, c'est la dague à corde. Ok. Ça va être drôle ça. Ça va être très très drôle les amis. On va enfin tuer Robert, c'est pas beau ça. Ok, d'accord on a dit. J'ai appris un peu à l'utiliser du coup, ça devrait aller. Oh, le Royal Fortune, c'est un manoir. Je savais pas. Par l'enfer, Kenway. Comment rester impassible devant toute l'attention, petit Macor? C'est un troll level 10 000. Chante les louanges de l'eau. Ah monsieur, ah mec, je vais tellement bien chanter. T'es pas prêt, moi on m'appelle la Castafiore. Moi y'a Teddy, moi y'a Echant comme pas deux.
Tu vois, là je vais te mettre mal mon gars. T'es pas prêt. Hop là. Ah c'est Robert ça. Oui ça c'est Robert. Wow. Eh ben garçon, j'ai l'impression que t'as pas saisi qui j'étais. Là on a un stock de poudre. Ah hop. On va essayer de détruire tous les stocks de poudre parce que je pense que ça peut le faire normalement. Bam. Ah, un autre stock de poudre là. On va l'incendier. Voilà. Ça va le faire. Est-ce qu'on en... Il y en a un troisième normalement, le stock de poudre. Ok. Allez, toi tu vas prendre cher. Aïe, 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 aïe. Calme-toi, mon petit. Calme-toi. Aïe, ok. Ouh là là. Eh, toi, tu sais pas. Ah putain, c'est pas possible. Y a trop de gens autour. Allez, hop. Une vie joyeuse et courte. Comme promis. J'ai vu juste depuis toujours. Quant à toi, Edward. As-tu trouvé la paix que tu cherchais? Je n'ai pas autant d'ambition. Pour moi, la paix n'est qu'un moment confus entre deux guerres. Tu es un vrai stoïque. Peut-être me suis-je trompé à ton sujet. Elle t'aurait sans doute trouvé à son goût en fin de compte. Elle? De qui est-ce que tu parles? Oh, de celle qui attend son heure. Au tombeau. J'espérais la retrouver, la revoir. Ouvrir la porte du temple et l'entendre prononcer mon nom de nouveau. Aïta. Tu divagues, mon ami. Hélas, comme tant d'autres, je ne suis pas né à la bonne époque. Où est l'appareil, Robert? De grâce, détruis mon corps, Edward. Les Templiers, s'ils me trouvent... Tiens les amis, on a réussi à tuer Robert, alors je pensais pas que ça allait être si facile à le tuer malheureusement. Mais je pense que c'est sur ça qu'on va terminer l'épisode. On a réussi à obtenir le crâne pour le temple les amis, et il est parti avec le sourire, comme il a toujours voulu, donc une vie courte et joyeuse. Et on va détruire son corps pour éviter que les Templiers essayent de retrouver des indices, je pense, sur lui. En tout cas, cette fin a été magnifique. Du coup, ce que je vous propose de faire, c'est tout simplement de se TP là où il faut aller, hein. Donc, ah d'accord, faut aller là-bas. Bon, on va pas se TP là, on va tout simplement se TP à Gretinagua. Et pour ça, la prochaine fois, on va récupérer le trésor qui nous y attend. Ah, donc la tenue des Templiers. Et en tout cas, les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si n'hésitez pas à lâcher le lourd pouce bleu qui fait plaisir, à partager la vidéo et à la commenter pour soutenir un peu le fait que l'histoire soit revenue. Et surtout, les amis, il nous reste même pas un ou deux épisodes. Du coup, soyez prêts pour une fin imminente de ces Let's Play. En tout cas, je vous dis à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Vous connaissez la chanson, ciao tout le monde, c'était Italo, bye bye. Hey l'ami, on dirait que la vidéo est terminée, si elle t'a plu tu peux cliquer sur le petit pouce bleu, sinon tu peux aussi t'abonner à la chaîne en cliquant juste là, ou encore regarder la suite de l'SP en cliquant juste ici, ou bien découvrir une nouvelle vidéo en cliquant sur la vignette à droite. Sur ce, je te laisse et je te dis à la prochaine.